Les vacances à la montagne en été, c'est une tendance qui se répand de plus en plus. Les stations villages ont pris l'habitude de cette nouvelle clientèle familiale. C'est notamment le cas de Prasur-Arly qui a adapté son offre version grandes vacances. Bon, en été, on est une station village authentique. Avec un positionnement au niveau de la vallée, on est aux portes du pays du Mont-Blanc, avec un plateau qui permet plein d'activités différentes, que ce soit des activités d'eau, des activités d'air avec le parapente et la montgolfière, puis des activités de montagne avec l'escalade et la randonnée. Et effectivement, l'objectif de la station, c'est d'avoir un positionnement bien-être en famille et de proposer des activités pour toute la famille, pour tous les membres de la famille. Et parce que la famille se compose d'enfants, parfois très jeunes, Prasur-Arly a pensé à eux avec notamment des circuits poussettes. Il s'agit de chemins aménagés et balisés, l'occasion de se promener en toute tranquillité, loin des voitures et quelles que soient les conditions météo. Ce qui est sympa, c'est que quand il fait beau, quand il fait chaud, on a différents circuits, ce qui permet d'avoir des circuits ombragés en bord d'eau, donc on n'a pas trop chaud. On a aussi des circuits pour un jour comme aujourd'hui qui est un petit peu voilé, donc où on peut être vraiment en extérieur. On longe des prairies, on va jusqu'à un petit village super sympa. Il y a un petit peu de tout, ça se coupe pas trop pour les enfants, donc c'est sympa. Et puis on a aussi ce petit calme, on est en retrait de la route. Donc ça c'est vraiment génial avec des enfants. On n'est pas obligé de les tenir vraiment à la poussette. Qu'ils soient 3-4 ans ou qu'ils soient 10-11 ans, ils peuvent courir en toute liberté, c'est super. Trois circuits sont effectivement proposés au départ du village, deux pour les poussettes classiques et un pour les poussettes tout-terrain. Elles sont d'ailleurs proposées à la location. Un label Bonne Pioche a également été imaginé pour distinguer les hébergements et les restaurants qui favorisent l'accueil des enfants et notamment des bébés. C'est vraiment un retour de la part des clients. Hein. On voyait dans les questionnaires et dans les enquêtes satisfaction qu'il manquait des services, des choses pas forcément très compliquées, de la simplicité au niveau de l'accueil, des petits équipements vraiment pour faciliter ces vacances. Le bien-être en famille à Prasur-Arly, ce sont aussi des sentiers de randonnée. Là aussi, tout est prévu pour faire de ces balades nature de vrais moments de découverte ludique. Ici, vous êtes sur le sentier des Épines Blanches. Alors, c'est des sentiers qui n'excèdent pas 2 heures de marche. Sans grande difficulté technique, avec des panneaux ludiques qui sont installés sur les chemins, comme celui-ci, qui est un panneau sur les ardoiseries de Prasur-Arly. Donc là, il y a un petit côté historique. On a d'autres panneaux sur la faune, la flore, pour expliquer le milieu montagnard aux enfants. Des randonnées plaisir pour vivre la montagne en famille, un esprit qui se retrouve également sur l'aire de loisirs des Belles, avec un accès libre à des jeux adaptés à toutes les générations, ou encore sur les bords de l'Arly où parents et enfants peuvent participer à des activités telles que la pêche, des sorties nature ou des ateliers créatifs. Sachez également que le pays du Mont-Blanc vous accueille plus que jamais avec toute votre tribu. C'est notamment le cas des Ouches, de Megève et de Combloux qui affichent même le label Famille Plus.